Chers compatriotes, bonjour ou bonsoir. Voilà, je pouvais parler en Tchiluba, mais bon, je vais mélanger parce que vous savez, il s'agit de la route nationale numéro 1, donc ça concerne tous les Congolais. Alors, je passe par la langue officielle qui est le français. Bon. Il est question du tronçon Kamwecha jusqu'à Kananga, ou l'inverse, ou Kananga jusqu'à Kamwecha, parce que les travaux apparemment se font de deux côtés. Voilà, chers compatriotes, moi-même j'ai fait cette route en 2022 à moto. Donc j'ai fait de Chikapa jusqu'à Kamwecha, c'est 108 km, mais il y en a qui disent que c'est 110 km. Eh bien, c'est selon, voilà, selon l'endroit où l'on se trouve à Chikapa. Voilà, Banabetu, Bamakulo Chiluba, Balangani Bateleji, et ou Njila, ou Diumbuka. Mu kanangato ni kukamwesha kadi ni banu vuje kudi badi basombela mi abayi banu vuje tantôt mu chiluba tantôt mu français mais chito pa chito dinachu mwa beu chidi chito pa cha kanangato ni mwa matamba bakadi ba yabatangile ku miyao. Donc cette partie que nous avons ici en extrait vidéo, c'est la partie du côté Kananga jusque à la localité de Matamba. Matamba, donc c'est 22 km à peu près. Il se dirigerait vers la rivière Miyaou selon ce qu'ils disent. Alors cette vidéo, je l'ai eue du gouvernorat de Kinshasa, et non de Kananga, au Kasaï central. Donc les travaux sont supervisés par le gouverneur Moïse Kamboulou. Voilà, comme vous voyez là sur la carte, vous voyez le tronçon qui est déjà fait de Kananga jusqu'à la rivière Luloa. Vous voyez le pont Luloa Bridge, là on a écrit Luloa Bridge. Ensuite vous avez le quartier Malandji, c'est là où se trouvait la ville de Kananga avant. Ça s'appelait Malandji, ainsi baptisé par les premiers occupants qui sont arrivés là. Ils venaient de Malandji d'Angola.
que les Portugais appellent Malange. Et voilà, quand on a construit les chemins de fer et que les chemins de fer passaient de l'autre côté de la rivière Le Loua, donc on a appelé ça d'abord Malandji toujours. Le quartier, parce qu'il y a un quartier qu'on appelle quartier Malandji, de ce côté-là. Donc, ils ont commencé par baptiser ça Malandji. Ensuite, plus tard, les Belges se sont dit que non, il faut distinguer les deux localités. Alors, la population distinguait déjà Malandji Makulu et Malandji Mafiamaf. Le nom est resté jusqu'à aujourd'hui, le quartier Malandji, mais la ville a pris d'abord le nom de Luluagar. Après Luluagar, on l'a baptisé en Luluabourg. Eh bien, c'est arrivé déjà, la route est asphaltée jusqu'à Amatamba. Ben, de l'autre côté, j'ai appris que c'est arrivé au village Kamboulou, donc il ne reste plus grand-chose. Bon, chers compatriotes, vous pouvez regarder. Hey Evria, Excellence Excellence Kamboulou, Kamboulou, Kunkumane Anab, Anjitaïla. Anjitaïla Injil. Et tu colles déjà. Maman, pas un peu. Maman, tam. Mais en tout cas, tu kumakumiaos. Voilà. Injil, ou kai kumakumiaos. Jile, ou kai manu kujik. Parti, et mujim, ou kai mujik. Tu nous manques un palachi. Tu tombes, tu es là. Tu es là, kabujim. Tu es là, colat. Ah, un cordeau SGMK. Il y a une caïne de Moloko du Moyen-Orient. Papa, tu t'es pendu beaucoup. Fais comment est-ce que tu es déjà Kabudjim, Kamana Kouela. Déjà en col. Joseph Moïse Kamboulou, comment est-ce que c'est mon renouvelé. Kamana Kouela, Kujik. Je suis mon bébé. Ben Lukuna, Bagan, Ben Lukuna, Baba Chalabia, Bundu, Moussango. Baba Chalabia, Bundu. Bon, c'est pas ce province où tu as compris la Moussango. Jila wachika fakanang, jila wakala mambushu, yosu jini cha kwenze. Ye Joseph Moise Kambulu Nkonko, utuweze malu musilansi katua ambila bantu. Kajinu jimwenenu nukai ni malu endaje nseke leo otomatikuma. Ah, gouverneur wa province. Ah, kiye Kambulu Nkonko. Ei Evria, Excellence Kambulu Nkonko mwana ya nabu. Anjita hila injil. E ching kole deja, mamu hapa mpenye? Mamatam. Mais en tout cas, tu es comme aussi. Voilà. Un gilet au cas où tu es comme ça. Gilet au cas où tu es comme ça. Parti et moujim. Au cas où tu es comme ça. Tu nous manques un palachi. Tu tombes, tu es comme ça. Tu es là, kabujim. Tu es là, colat. Ah, un cordeau SGMK. Il y a une caïne de Moloko du Moyen-Orient. Papa, tu t'es pendu beaucoup. Fais comment est-ce que tu es déjà Kabudjim, Kamana Kouela. Déjà en col. Joseph Moïse Kamboulou, comment est-ce que tu es? C'est mon renouvelé. Kamana Kouela, Kujik. Je suis mon bébé. Ben Lukuna, Bagan, Ben Lukuna, Baba Chalabia, Bundu, Moussango. Baba Chalabundu. Walu Boa, c'est pas ce province où tu as compris la Moussango. Jila wachika fakanang, jila wakala mambushu, yosu jini cha kwenze. Ye Joseph Moïse Kamboulou Nkonko, utuweze malu musilansi, katua ambila bantu. Kajinu jimwenenu nukai ni malu endaje, nseke leo otomatikuma. Ah, gouverneur wa province. Gouverneur. Ah, kiye Kamboulou Nkonko. Je vous montre maintenant la partie Kamwecha qui est déjà arrivée à la localité de Kamboulou. Kamboulou. Ils disent que ce n'est pas loin de la rivière Miyaou. Voilà, regardez. Voilà, chers compatriotes, la personne qui nous a envoyé cette image, cette photo, nous informe qu'il s'agit du tronçon Kamwecha jusque à la localité de Kamboulou, dans le secteur de Mboulou. Badibatouambilani, Mouabeou, Jilou, Tujitoumouneou, Oukadi, Moufik, Moussoko wa Kamboulou.
Kambulu, localité Mukwabu, Musoko Mukwabu, Mu secteur wa Mbulu, Mujibumba Toambila. Voilà, nous les aimons bien, nous tangila, nous apprécions. Voilà, chers compatriotes, ça va vite. Voilà, je vous montre sous un autre angle aussi cette image. Eh bien, chers compatriotes, ça c'est une autre vue de la même route. Je pense à un autre tronçon parce que la partie que nous venons de voir, c'est beaucoup plus plat. Ça, c'est un peu plus loin. Et c'est la même route parce que si vous regardez le paysage à côté, c'est le même paysage. Remarquez un peu plus loin, à l'horizon, les palmiers et la population qui est aux abords de la route. Donc, il s'agit de la même route. Donc, Jileu, Yamu, Jileye, Yumau, Kadimukwa, Mwaba, Walu, et Umabu du Mondok. Maintenant, regardez la vidéo du mois de mai. Je vous montre une évolution des travaux au mois de mai pour que vous puissiez vous faire une idée de l'évolution des travaux, les travaux de la compagnie Arab Contractors. Voilà, regardez et puis nous clôturons. National numéro 1 s'est bâti dans le calme. C'est par petits colis qu'arrivent les meilleures choses du monde, affirme un dicton populaire. Cet adage, vous pouvez vous en douter, est en train de s'appliquer de la plus belle des manières à la route nationale numéro 1. Pendant que les uns se plaisent à claironner, perchés sur le toit, que rien ne s'est fait et que les autres fustigent ce qu'ils trouvent comme nonchalance, la RN1 s'est construite du jour au jour, section après section, jusqu'à ce que seront reliées les agglomérations du mini-continent. Déjà, cette route était impraticable. Il y avait une région vraiment qu'on ne pouvait même pas supporter. Elle est encore très profonde. Mais par rapport aux travaux qui sont en train de se dérouler petit à petit par un contracteur, nous voyons aujourd'hui, la route est vraiment praticable. Donc, il faut bien dire bien ce qu'elle est, bien ce qu'elle est, bien ce qu'elle est, bien ce qu'elle est. Quand nous en bilava, j'ai là un coup, bah du moins quatre mois, du moins la cabu d'imbo. Boani a relié Kachikapa, Kamwesha, Kamwesha, Kananga, Kananga, Mbujimai. Naku, depuis un certain temps,
bantu ba kumusekuru akamu esheba jumuka chumwa chisanka bwa chezele chichimpa ni chezele chajinanga chakurelie kamu esha kana jini nujati kina mbulele buwani wakumuka pa kamu esha kufika mkananga c'était plus que l'affaire alors que une distance ya kamu esha kananga c'est 155 kilometre. Voilà, chers compatriotes, nous avons fini en félicitant le gouverneur Moïse Joseph Kamboulou, selon la vision du président de la République. Zambi Atumbishi Bwe.